Allez, U. U. Tout doux maintenant. On y va. Oh. La belle. Alors, ma foi. Plus vite. Doucement. Du nerf, Ablette. Oh, Ablette. Oh, Ablette. Qu'est-ce que tu dis? Attention! Cette chanson. J'ai dit? Moi bien. Plus jamais tu ressortes.
Plus jamais. Oh. Et qu'est-ce que tu vas aller jouer avec Chetty? Un site d'énergie. On devrait y puiser. C'est un site d'énergie. On y va. Quand les rois sont prêts, c'est le pays. Allez, U. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème ? Regarde autour de toi.
Ça sent les ennuis. Qui sont-ils ? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Temeria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nil Gardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys ? Je les ai décrochés. Décrochés ? Pour mettre un soleil impérial à la place ? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Temeria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte ? Que tu fricotes avec les soldats ? Que t'es la pute de Nilfgaard ? Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains ? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils Lâche-moi. Doit la vie à ma sœur, t'entends ? Et tu crains pas la colère des dieux ? Tu la crains pas, salope ? Fichez-moi la paix ! Vous voyez ce médaillon ? Vous savez ce que c'est, non ? Reculez. Tout va bien ? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai ? Il vous a promis quoi, l'empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas ! Allez-vous-en ! Son regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, en selle. J'ai passé les 6 derniers mois en selle. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald.
Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreïs. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina, Ibing et Gemera, souverain de Nazer et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller. Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles.